Aurélion Sol Tank, et qui est Aurélion Plafond. Je le joue avec ces runes là, un peu comme j'ai fait avec Anivia finalement, il y a quelques petites différences, mais c'est un peu ça. Et avec ce build là, sauf que j'avais oublié de mettre le Winter's Approach, le Fimbul Winter que je vais placer juste après le cuirassier, en espérant que je vais y penser. C'est pour ça que j'ai commencé avec une tire. J'ai juste oublié un petit item, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et si vous m'en voulez, dites-le moi. Dites-le moi directement. Si vous m'en voulez vraiment énormément. Je pourrais le comprendre, je pourrais le concevoir. Notre but, ça va être juste de mettre des poignes. On est contre un Kennen, c'est aussi un range. Donc je me sens moins coupable de jouer un range. Ça, c'est une bonne chose. Même si ça me fait chier de jouer contre un range. Mais je peux pas m'en plaindre, ce serait salopard. Mon but, ça va être de proc des poignes, mettre des petits E pour prendre les waves, et voilà quoi, tranquillement, et voir ce que ça donne. Et stack de la poussière d'étoiles. Pas de poigne, pas de poigne. Je nécessite de la poigne. Oh. Je suis tellement mort. Bon, il a flash lui aussi. En fait, chaque vidéo ça commence pareil. Je me fais gank en tout premier. Ça me casse la tête. Mais après, je dis j'ai une TP, ça va. Je reviens. Et tout se passe mieux. Et vas-y là, ça gank trop tôt là. Beaucoup trop tôt. J'ai même pas le temps d'un peu respirer qu'on me gank déjà. En mode, je dois mettre de la vision. C'est pas ridicule un peu? Oh, il est si low. J'ai l'impression que je vais juste me faire faucher par Ekarim. J'ai juste back là-dessus. La wave avait l'air pas horrible, mais maintenant elle l'est. Mais c'est pas grave. On garde le smile. Il a TP out 100%. C'est big ça. Ok, nice shit. Bon bah parfait s'il a TP out. Par contre moi j'ai laissé une grosse wave horrible. Qui peut me donner des maladies mentales à tout moment. Parce que lui il se met tellement bien. Poigne. Mais c'est qui m'emmerde celui-là? Oh, il va me la mettre. Je vais me mettre dans un endroit où il peut pas viser. Après il perd beaucoup de CS là-dessus. Hein. Let's go. Putain. Merde alors. Mon dieu. Ah oh, je back là-dessus direct hein. Mon dieu! Comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup d'expérience sur Aurélion Sol. C'était un sacré duel là. Il était stylé le duel. Je
J'ai plus de CS que lui, mais il a... Non, il a pas gagné plus d'XP que moi. Parce qu'il en a loupé beaucoup, là. Sur son move. Attends, mais il part tank aussi? Ah non, je crois que c'est juste la protobelle qui se build comme ça. Hop là. C'est vraiment un vilain, ça se voit. C'est un méchant. Un chenapan, ouais, je pense que c'est le bon mot. J'ai mon R maintenant. Pourquoi j'essaye des trucs comme ça sur un champion qui va à 100 à l'heure? Moi je pense que le Q-spell de Aurélion Sol devrait proc le... Ouah, le combo était... Il est plutôt vif le Jarvan là. Le combo E-cube de Jarvan là. En mode ralenti pour bien apprécier. La top lane c'est deck Pikachu contre deck Dracaufeu. Par contre, à l'heure actuelle, il va me... Je prends un break, je reviens, il a dit Jarvan. Là, il peut tellement me découper. J'aimerais bien ne pas back avant d'avoir ma TP. Sinon, je vais pas faire grand-chose de ma vie, là. Nice. Attention, Kennen n'est plus là. Après, il a peut-être juste back. Si c'est le cas, je vais essayer de push. Le push est horrible. Qu'est-ce que je viens de faire de ma vie? Je sais pas. En tous les cas, je vais TP. Donc ça va aller. Et puis il push. Il cherche pas à freeze lui. Tout va bien. C'est quoi la moyenne des poussières d'étoiles par minute? Je sais pas. Canon raté? Non, j'ai eu le canon. Je crois bien. Je sais pas, je suis pas du tout dans le... dans la connaissance des informations de Aurélion Top Secrète. Mais je pense que je dois pas être ouf en termes de poussière d'étoiles. Je me sens pas très poussiéreux là. Il est con lui. C'est un conduit d'aération ou quoi? Bon, je perds une wave. Je me fais tuer, ça fait chier. Mais vas-y, qu'est-ce que c'était nul? Qu'est-ce que c'était forcé et nul? Mais qu'est-ce qu'il y a une jungle diff? Ah, je perds deux waves par contre. Ouais, non, ça fait mal. Nice. Il en a eu pour la monnaie de sa pièce. Pas freeze ou faire quoi que ce soit de spécial. Le seul truc cool c'est que c'est pas Kennen qui a eu le kill. Et lui aussi a perdu beaucoup de CS dans la game. Donc ça va. Le truc c'est que là il a une TP donc il va revenir très vite.
Il a plus de... il a plus d'ult. Moi non plus. Moi, vu comment je l'utilise, c'est pas grave si j'en ai plus. Attends, il a déjà son R. Ça me terrifie. Ça, c'était pas prévu. Mais qu'est-ce que tu fais, Jarvan? Il est venu, il a mis juste son Q-spell. Sans le drapeau. Et Jarvan est en train de me terrifier, hein, pour de vrai. Après, heureusement qu'ils étaient là, sinon je serais mort. Enfin, Queen, en tout cas. Heureusement qu'elle était là. Non, la durée du vol ne monte pas avec le spell, j'ai l'impression. C'est peut-être la poussière d'étoile, je sais pas exactement. Putain, j'aurais dû attendre un peu avant de back. Il manque si peu pour avoir le cœur acier, c'est dommage. Si? Attends, je suis débile. Mana cost, cooldown, personne bonus magic damage. Déjà, je savais pas qu'il y avait de la bonus magique des mages, de toute façon, qu'est-ce que je sais? Non, j'ai confondu. Et ouais, c'est toujours moi qui ai raison, et ouais. Oh, c'est cool, j'ai le Q maxé maintenant. Kennen est mort, il a pas eu de kill, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas suivi. Mais en tout cas, je vais push, récupérer des CS. Back, prendre un cœur acier, essayer de faire des trucs dans la game. Oh, maintenant je peux juste pas, mais quelle vie! Aïe aïe aïe, il y a eu une ping qui a été foutue ici. Je vais choper une petite démo. Il est déjà là? Mais cet hamster est toujours aussi surprenant. Et pourquoi donc? Pourquoi on est arrivé là? Hop là. Petite poigne. Petit Q-spelling. Jarvan qui est venu pour... Et il a eu l'assist. Ah oui, le drapeau. Magnifique. S'il m'avait volé le kill, ça aurait vraiment été le jungler de l'année. Dingue. Kennen s'est juste fait vomir dessus. De la poussière d'étoiles. Par contre, là, j'ai... C'est chiant de push. J'ai tellement craché de mana. Pas de la poussière d'étoiles qui sort, Aurélien Sol. C'est du mana. Directement. Oh, y a plus les... Y a plus les plates. Hop là. J'ai le cœur acier, j'ai une TP. La vida est loca. J'ai mes bottes aussi. Je vais commencer le... L'approche de l'hiver. Ouais, j'ai l'impression qu'Aurélien Sol a des dégâts de base pas trop mauvais, c'est cool. Et là, boum! Imaginez la pression que je lui mets en faisant ça. Il est fou. Il vient de me flash dessus juste pour me stun. Par contre, j'ai pris cher. Hein. Salut Giovanna! Hop là, récupération des CS avec le E, j'adore ce spell par contre, waouh. Qu'est-ce qu'il est cool ce spell. Comparé à Kennen qui lui n'est pas cool du tout. Mon spell cool, Kennen pas du tout. Faut bien retenir ça, c'est important. Il a pas de flash, il peut pas me air flash. Dommage. J'ai joué comme un golem. Est-ce que quelqu'un va le cacher, ça? Non, on se le cache pas, c'est la vérité, j'ai joué comme un golem. Oh! Bah, Zoé, il faut faire quelque chose après avoir... Bon. Tous ces dégâts qui ont été faits alors qu'elle a...
Je me le suis caché. Faut pas se le cacher, je comptais te le cacher. Non, non, mais je vous le dis, faut dire ce qui est, c'est comme ça. Je me suis trop avancé, j'ai voulu faire le malin et je suis tombé dans ce foutu ravin. On va pas se le cacher, encore une fois. Attends, mais il... Pourquoi il y a la bot lane même là? Plus un Herald, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Pour que ce soit... Pour que ma top lane ait percé comme ça. Qu'est-ce qui leur arrive à ces jeunes gens? Mais redescendez de votre... Mais... J'ai tué Blitzcrank. Gros nulos. Alors, j'aurais bien voulu attaquer le Jhin. Mais maintenant il y a Queen aussi. La top lane a trop de buzz là, je sais pas ce qu'elle a. Je l'ai pas connu comme ça. Hein. Je l'ai connu avec un Jarvan qui fait un E, puis qui attend 3 secondes, puis qui fait un Q. Ça c'était le prime de ma top lane. Oh là là, j'ai le canon, oh my god. Kennen est au mid, je vais choper 7 tours sans aucune complication et aucun problème. Voilà, comme prévu, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Il est temps de back. Heureusement ça exécute le E, sinon je pense que tu louperais tous les CS. Le pire c'est que c'est pas faux ce que tu dis quoi. C'est juste vrai. Fimbulwinter. Maintenant on va commencer à faire le seul item avec un peu d'AP qui est le Riftmaker. Il a tout dit Blitzcrank je crois. Là mais il se passe quoi ici? Totalement dingue celui-là. J'ai tellement envie de jouer ça. Let's go! Ok, c'était cool. Cela m'a plu. Donnez-moi la puissance d'étoile. Ça m'a régalé par contre, en fait ils disent que des conneries, ça y est ils m'ont saoulé. Hop. Je me suis dit, allez je tente le tout pour le tout. Je vais lui vomir dessus et on va voir qui gagne. S'il avait son R c'était fou, c'était fou. Non. Mais non. C'est quoi ce FF de con? Au pire, on garde cette game et j'en fais une deuxième en complément. Oh, invade contre invade, c'est parti. Je mets mon E et je n'ai rien d'autre à apporter. Ça sent pas bon cette histoire. Ok, mon adversaire a un kill et une assist. Et moi, je suis quasiment mort. Et moi je suis mort. Ok, ça c'est un début de game comme on aime. Zeri en 3-0-2. Aucun d'entre eux ne sont morts. Oh.
Mais au moins on peut revenir en marchant directement. C'est un bon démarrage. On va se mettre bien. J'ai déjà proc 4 fois ma poigne de l'immortel. La game est gagnée. On a pris le passif de Zach. C'est worse. La botlane est morte. Bah vous n'y êtes pas pour rien. J'ai l'impression. C'est le moment de redresser tout ça. Hein. Ça va aller hein. Petite poigne. Ok, cette fois je vais essayer de me tenir au courant. De rester tranquille pour le premier gank que je me prends toujours super tôt. Parce qu'apparemment je donne vraiment envie à ce qu'on me gank très tôt. C'est qu'il fait mal directement lui du coup. Il a failli me 100-0, tout ce qu'il a c'est une putain de coiffe de rubis. Ça s'appelle pas une coiffe je crois mais on est là. Ça n'a rien d'une coiffe vraiment. Tant que j'ai le canon tout va bien. Et que j'arrive à mettre des petites poignes par-ci par-là, ça va aller. Il y a déjà bientôt plus de mana, c'est vrai qu'avec santé, niveau mana c'est pas au top. J'arrive à lui mettre beaucoup de poignes, ça régale. C'est Zach le jungler donc il pourrait me dive. On va pas se le cacher sachant que j'ai pas de flash. Ok. En vrai, je vais rester pour l'instant. Parce que j'ai une TP. Oh, c'est une cristal. C'est cristal de rubis, pas coiffe. Je suis un ouf. Je suis trop dingue. Non, mais à quoi ça sert que je reste dans ce cas-là? Et puis zut. Ok, lui, il veut me freeze. C'est tout ce qu'il souhaite à l'heure actuelle. J'ai quelqu'un pour m'aider à push. C'est big. C'est vraiment pas trop mal. Du tout. Il a utilisé son flash, non? C'est ce que j'ai vu. Si je ne m'abuse. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hop là, en plein dans le mille. Et merde.
Il est passé niveau 6. Il a plus de mana, mais il est niveau 6. Let's go! Bien joué, Jarvan. Oh, la wave de Zinzin. Oh my god. Oh, quel plaisir. Quel plaisir ce fut. Court mais intense. Par contre, au bot, waouh. Mais au moins, ils vont pas FF cette fois. Il va encore vouloir laisser la lane un peu freeze. Non, il a déjà cassé le freeze. Enfin, pas tant que ça. Il va la laisser. Il va créer une wave dégueulasse. C'est pas grave. On avance vers le cuirassier. C'est tout ce qui compte, dans mon cœur. Salut Graou! Ça va et toi? Ah, j'aime pas jouer contre des gens qui savent gérer un peu une lane. Et lui, il sait un peu gérer une lane. Donc ça m'embête. Ça m'embête. T'inquiète, Raoult, dans 2 semaines, la TFT reprend. Du coup, il est trop bien en XP, là. Mais apprends peut-être à viser un spell, mon grand. C'est vrai qu'il est instoppable, monsieur. Intuable, instoppable. Et moi, je te crache dessus, je te vomis dessus. Pas mal. On va peut-être pouvoir essayer de le dive. Poigne. Horrible. Horrible, j'avais plus de mana pour mon crachat. Le dive est nul, je me fais camp. Et en plus, c'est même pas worse. C'est tout ce que je mérite. Et en plus, je laisse la wave avec un E de merde. Ok, ça va, il casse la wave aussi. Terrifiant. Ouais, c'est pas une bonne idée de façon de dive un Xanté qui est plus tanky que le mur de la map. Bonne nuit à tous mes célestes bibous visages, bisous. Bonne nuit, Gavesh. Quand Xanté a un quart de sa vie, c'est comme si 3 champions étaient full. Faut pas se poser plus de questions. Je vais perdre pas mal là-dedans. En plus de mon honneur. Mais j'ai bientôt le cuirassier. J'ai proc 29 poignes. 30. Sorry. Il avait une côte de maille et une brillance. Je me suis donc fait one shot. La game est dégueulasse depuis le début.
Mon Dieu. Depuis la tentative d'invade jusqu'à la suite, elle est dégueulasse. Je me fais manger. Tout simplement. Il peut se régaler tranquillement. Ce truc est indestructible. Oh, j'ai le canon. L'huile de paille qui tuait pas là est quand même terrifiant. Hein. Pas sûr qu'on va faire grand chose face à ça. Ouais, je veux juste farm tranquillement. J'ai le cuirassé, en vrai je vais back cuirassé TP. Hop là, cuirassier. Il a trop d'XP en plus. C'est qu'il joue pas si bien, hein, en plus de cela. Poigne. Alléluia! Mon Dieu! Ça régale, des petits sous. Et je m'envole. Bisous, je m'envole. J'approche du film Bill Winter, ça régale. Ah, je fais vite fait des dégâts, hein, pas grand chose en vrai de vrai. Faut que je fasse tellement d'efforts pour faire un tout petit peu de dégâts. C'est assez impressionnant. Enfin, du coup, il y a Zeri sur ma lane qui est en 9-0 maintenant. Elle a continué à grandir. Depuis la première fois où je l'ai vue et la dernière. On commence à être pas trop mal néanmoins. Je
Tant qu'on farm, on grandit. Piou, 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 piou. Oh non, pas Zeri. Petite pointe quand même. Voilà, juste pour te montrer de quel bois je me chauffe. Il y a Zach sur l'Hérald, si je ne m'abuse. Non, il doit être sur le crabe d'abord. En tout cas, il y a du monde par ici. Du monde que j'ai pas envie de côtoyer. En vrai, j'aimerais juste avoir cette tour et être libre de la top lane. Allez voir ailleurs. Il y a Zeri qui revient. Mais j'ai eu le temps de l'avoir, let's go. Oh putain, il y a du danger par ici. Je commence un tout petit peu à me dire que Orion c'est quand même un sacré champion de con. Quand je vois de quelle façon je farm. C'est vraiment linéaire quoi. Tu ne peux pas les louper. Oh. Il se considère pas l'item en bas à droite de l'onglet temps qui donne des dégâts en fonction des PV bonus. Là si tu parles des dégâts AD en fonction... Attends, des dégâts en fonction des PV bonus. Ouais, les dégâts AD. Non, il est pas considéré. Par contre, le Riftmaker, oui. Cuirassier et cuirassier, c'est tout ce que je venais prendre. Ni plus ni moins. Mon lutte ne fait rien, il faut que je vive avec. Cuirassier aussi. Bon, bah, j'ai bien pu regarder. En vrai, derrière ça offre un truc hein. Je suis vraiment pas mort pour rien pour le coup. Et en plus ça continue. Excellent. Je serai là pour le Drake. Ok, là c'est plus excellent, ça y est c'est fini. Là c'est devenu nul à chier. D'un coup. Tu peux proc avec autre chose que l'ult, le Fimbul ou c'est pour le mana? Alors déjà c'est pour le mana beaucoup. Et tu peux le proc avec le slow. C'est pas que les... Ah mais attends, mais le E est pas considéré comme un slow. C'est juste un truc qui ramène, je crois. Donc en fait, ouais, je crois que c'est qu'avec l'ult. Ouais, avec un Riley, si j'avais un Riley. Le slow c'est pas que pour les mêlées. Oh putain, je suis vraiment le fou du métro. La dernière fois on a eu une conversation similaire avec le chat et on savait pas exactement qu'est-ce qui était pour les mêlées, qu'est-ce qui était mêlée en ligne, qu'est-ce qui était ok. Donc on va peut-être dire que c'est pour le mana. Et uniquement. Ah, je vais mourir aussi. Désobligeant. Vas-y, au pire, ils sont invincibles. Hein. C'est bien aussi d'être invincible. J'ai eu de l'assist. De l'assistance à personne en danger. Je vais avoir un peu d'AP, ça va peut-être un peu m'aider. Regardez, j'ai shield, beaucoup de dégâts avec Fimbulwinter. Ça me donne de la vie par rapport à mon mana en vrai. C'est une des choses qui fait que c'est plutôt cool, c'est plutôt ok. Dans la façon dont je veux faire les choses, en vrai c'est pas ok du tout. En vrai ça pue du cul.
C'est pas au petit, y a rien de. Y a rien de dingue. Ça aurait été bien mieux un Séraphin. Mais je veux avoir plein d'HP. Comme ça après je suis content. Let's go! Cuirassier. J'ai quand même proc 54 poignes. 55. Ok, si on arrive à s'arrêter avant que ce soit en trou. J'ai l'impression qu'on ne s'arrêtera pas avant que ce soit en trou. J'ai fait quelques dégâts en tout cas pour sûr. Et mon prochain ult c'est l'ult flambant neuf. Go demander à Riot d'ajouter un item qui rend les range mêlés pour rentrer le Fimbul. Genre qu'ils le rajoutent là maintenant dans la game. En vrai, pourquoi pas, on peut faire une demande là tout de suite, je pense qu'ils me répondront. Par la positive. Je vois qu'il y a eu une belle chose qui a été faite, une belle chose de faite. Attendez, je tente un truc. Putain, il y a des damage qui sont faits et tout. Je suis assez content. Let's go. Je reçois jamais les sous de paille par contre. Alors que pourtant, il me semble être d'une utilité publique. Je commence à avoir beaucoup de Stardust. Et vas-y, j'étais stuck. Non, viens pas dans moi. Pourquoi j'ai suivi ce move tout nul là qui puait des fesses. Ça puait des fesses. Tout pue du fessier. Je n'en peux plus. J'aurais dû accepter dès la première game de Royaume Sol, c'était la bonne. Ils ont FF tout mais c'est pas grave. Voilà Zeri. Et au moins, je vais pouvoir avancer dans le build. Là, j'ai 4300 HP. Attention, les filles, en mode enflure. Mais bon, on a un ADC qui fera jamais de dégâts parce qu'il y a trop de retard. En fait, on manque cruellement de dégâts. Tout le monde est retardé. Dont moi. Ah ouais. Je vois qu'ils se font plaisir en tout cas. Ça c'est le principal. Faites gaffe, je commence à avoir beaucoup de poussière d'étoiles. J'en ai 402. On rigole pas avec ça hein. Hop là, cuirassier.
C'est parti mon kiki, vroom vroom. Pourquoi il nous emmène là-bas lui? Let's go, elle a été aspirée. Oh non. Oh zut. Il est où Tresh? Il est devenu invisible d'un coup, j'ai rien suivi. Oh yeah. Oh putain, cette game est problématique, va y avoir un trade dessus hein. On va commencer par le cœur gelé. Ouais, je m'en occupe, ouais, merci. Il faut un trade sur cette game. Il faut qu'elle se fasse cancel, au plus vite. On a si peu de moyens de faire la diff, j'arrive même pas à savoir quelle pourrait nous apporter une condition de win. En tout cas, j'ai beaucoup de poudre d'étoiles, je traverse beaucoup avec mon Z. Voilà, c'est le point positif du jour. Dénonçons, mais il faut. Allez hop. Oh, ça y est, là. Monsieur Xanté veut un V9, c'est bon. Xanté à la plage, Xanté plus du cul. Oh, let's go. Regardez jusqu'où je vais. Ça, c'est stylé. Oh oh. Jusqu'où je vais, j'aurais voulu ne pas venir jusqu'ici. Vas-y, au pire, je bulle pas tank. Hein. Bon, ça offre un kill sur Fizz. Je suppose que c'est worse. Mais ça m'offre aussi 40 secondes pour réfléchir à ce que j'aurais dû ne pas faire. Il a un Void Staff, c'est pour ça. Après, j'ai pas de résistance magique. Mais j'ai quand même 4700 HP. C'est pas nécessaire de me one-shot comme ça, je pense. C'est pas une nécessité. Il y a le baron dans 20 secondes, j'ai une TP, bon, qu'est-ce que j'ai à apporter? En vrai, t'as tellement d'HP que tu restais sur place avec ton Q, tu load damage? Non, je pense pas. Je pense pas. À méditer, mais je pense pas. Je me tire. Il nous faudrait de la vision autour du baron, quoi. J'ai bientôt mon giga ult pour le baron. Il y a aussi un Drake bientôt. Tu sais que je fais mal, là. Avec le Rhythmmaker. Je fais rien mal du tout, je sais pas ce que je raconte. Je raconte des balivernes. Pourquoi j'ai pété cette bombe? En vrai, ils ont décidé de me focus juste moi et ils sont en train d'en faire les frais. Je sais pas pour quelle raison je suis en vie, mais l'info me plaît, alors elle est vraie. On se bat tellement dans une game qui est déjà perdue d'avance, c'est assez effrayant, voire terrifiant, voire complètement dingue. Et les voilà avec une soul. C'est bien nourri là. Ah
On a quand même Rise et Aurélion Sol. On scale la team. On scale, tout va bien. Pike est mort. Pour le beau jeu, I guess. En fait, je ferai jamais mal, même avec un nul de fou. Il faudrait que j'ai assez de poussière d'étoiles pour les tuer à 100% HP. D'ici 3h30, ça devrait le faire. Let's go! Le vol du baron! Et ils vont trop loin. Moi, je vais pas faire comme eux, je vais partir. Le vol du baron, c'est big. Oui, mon Q s'arrête jamais, si je décide. Quand il est maxé, il ne s'arrête plus. Attends, mais je fais salement mal. En fait. Il est pas exécuté là? Oh, j'y vais. Il n'est pas mort et moi je le suis. Morale de l'histoire, Riot Games sont des sales merdes. Bien joué Ryze. J'ai de nouveau de l'espoir. Faites juste pas comme moi. Je pense qu'en dernier item, je ferai un Riley après le masque abyssal. Ouais. Là, malheureusement, je vais pas vendre ça pour le faire. Ryze, c'est notre win condition. Il faut vraiment faire attention à ce mec. Il fait trop de dégâts, il faut qu'on arrive à le pile. Ah, par contre, ça me terrifie que Zac n'ait pas été tué, que mon ult ne l'ait pas tué non plus. J'avais l'impression d'enfin faire des dégâts d'ailleurs. Ça aurait été nécessaire là, mais là ça va pas être une vidéo pour Elion Seul, ça va être un film. Aurélion Sol tank le film. Si vous regardez encore là YouTube, parce que je vais la mettre sur YouTube cette game. Si vous regardez encore là, mettez votre note hallucinée, votre commentaire cinématographique. Je vomis. J'exécute. Je suis trop cute. En vrai, il peut rien faire, Fizz. Je vais TP. Quand je dis plus rien me faire, il peut one shot. Mais déjà, il va pas le faire parce que ça se fait pas. Et ça a été défendu. J'ai pas pu le tuer, mais ça a été défendu. Et ça y est, on arrive à se battre là avec l'équipe.
Je commence à enfin avoir scale. Je commence à faire des dégâts. Mon but c'était de tanker. J'ai 5500 HP par contre. Waouh. Il y a l'Elder. Et on a encore la tour qui est debout. Je vais mettre un gros E sur la wave là. Pour aider Caitlyn. Parce que sinon ça va être compliqué. Physéobot. Faut que je continue à mettre des E au mid. Juste pour maintenir le tout. Oh putain ça. J'ai un peu peur là. Hop. J'ai un gros ult. Fizz est mort. Je fonce dans le temps en arrière. Let's go. Mais pas que... C'est la fin qui finit bien. C'est la fin qui finit bien cette game. Les gars, il faut défendre. Hein. Faut défendre. Ok, il y a Caitlyn qui défend. Moi, je push. Là, je suis vraiment, vraiment bien. Là, j'ai scale. J'ai 666 poussières d'étoiles. Comme par hasard, hein. C'est bon, je ne suis plus un démon. Je back et venir en baron. En fait, en 1Z, je peux aller jusqu'au baron. Je vais juste back. Faut juste que je back, les gars. J'ai trop de gold. On va prendre la potion d'AP quand même. Et là, on y retourne. Regardez jusqu'où on va. Baron in the pocket. On va même reback. Pas besoin de prendre des risques. Là, on va pouvoir repartir en équipe. Hein. Là, j'ai rien d'autre à acheter pour l'instant. Tant que je peux pas vendre mes bottes pour faire un Riley. Et le Riley coûte combien? 2600. Prochain bac s'il doit y en avoir un, sinon on finit. Remélio. Il faut juste pas abuser sur la connerie. Attends, mais lui il abuse de la connerie justement. J'attends de pouvoir mettre un R vraiment cool pour le mettre parce que sinon c'est du gaspillage. Bon après je l'ai dans pas trop longtemps à chaque fois mais... Faut qu'on profite de notre Elder par contre. On est censé être vraiment en avance. On l'a eu. Je devais utiliser mon ult pour le stun pour pas qu'il puisse partir. En vrai, je suis tanky, je m'en fous. Faut juste faire gaffe à quelqu'un qui nous split. Hein? Pourquoi je suis parti par là? C'est pas du tout par là que je voulais partir. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, faut back. Riley dans la pocket. Je vais aller au bot. C'est là que Fizz va aller, je pense. Dans le futur, même s'il est mort là pour l'instant. J'ai 354 d'AP juste avec le Riftmaker. Ah non, il y a le Riley aussi, my bad. Mais le Riftmaker m'en donne 85 en plus des stats du Riftmaker. C'est un truc de ouf. Vu que j'ai 6500 HP.
J'ai la potion aussi, c'est vrai. Ok, je m'invente un peu une vie. J'avoue. Tu veux quoi toi? On sait pas ce qu'il y a au-dessus de nous. Hein. Ouais, voilà. What? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je l'ai one-shot? Par contre, le fight pue sa mère. Une fois de plus. Oh putain, on joue pas tous ensemble en fait. Attends, ah oui, c'est Caitlyn qui a mis Redshot aussi. Ok. Ah, c'est vrai, Caitlyn elle fait des dégâts, même si elle est en 3-15, elle fait des dégâts. Putain, j'ai le temps de réfléchir à ma vie à chaque fois que je meurs là. Waouh. Oh, la durée de la vidéo YouTube. Ils vont me faire payer un abonnement YouTube pour pouvoir poster ce genre de choses. J'espère vraiment qu'on gagne à la fin. Faut vraiment qu'on se regroupe à un moment quand même. Hein. Que Ryze finisse son dernier item aussi. Ok, je suis back. Ok. Comment je le piou-piou? Oh, l'huile de merde. Bon, regarde, j'en ai un de nouveau dans pas longtemps. Il y a un nouvel Elder dans 20 secondes et on a tué Zach. Néanmoins. Ok, Fizz est là, donc Caitlyn est en sécurité. Mais on a peut-être besoin de Caitlyn quand même. Oh non. Ok. Caitlyn aussi. La game est terminée. Aïe 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 aïe. Alors, c'est chiant que ça soit fait catch. C'est assez curieux qu'ils soient pas en train de nous finir là tout de suite. Les gars, c'est le game, la game dure un live. Les gens qui sont dans cette game là, ils ont rentabilisé leur sub. Hein. C'est pour ça, pensez à vous sub. On est en manque. Maintenant ils ont l'elder, ils vont avoir un baron et c'est terminé. Oh putain, il fallait juste être pixel. Ah mais je vais faire comme Inox, je vais la mettre aussi en salle de cinéma cette game. J'ai une potion encore. On a zéro vision. On pourrait venir par là. Ils prennent cher hein, de mon E, j'ai l'impression. J'ai mon R maxé. Ça les a fait reculer un petit peu. Par contre, ils sont sous Elder, donc un faux pas et on est terminé. Ryze est mort. Hein. On est cuit. On tient la game à un bout de doigt. Mon dieu.
Si je voulais tester mon build jusqu'au bout, bah je l'ai testé, hein, là c'est sûr. J'ai proc 73 points dans cette foutue game. On va pas vous laisser faire. C'est ce que je pense. Oh non, ça c'est pas ce que je pense. Enfin, pas ce que j'aimerais penser en tout cas. Oh, ça va. C'est lui qui meurt. C'est moi qui meurs. C'est lui qui meurt. C'est moi. C'est moi qui meurs. Mais c'est lui qui perd. Il reste qui? Il reste Zeri. Faites pas les cons. C'est tout. Jarvan aurait même pu rester là. Je suis pas sûr de l'idée de partir. Mais non plus l'Elder. Ah mais y a même pas de tentative de... Oh putain mais ça finit toujours pas. Ah mais là ça devient terrifiant là. Dans quoi je me suis fourré en voulant faire une deuxième game? Oh mon dieu. On va reprendre une potion. Hein. On va aller chercher de la poussière d'étoiles en tuant des sbires. Regardez la taille du Aurélien Sol par contre. J'ai pas pris la potion de vitalité, de tankiness. Regardez jusqu'où je vais. Jusqu'ici. C'est terrifiant. La taille de l'étoile aussi. Mon dieu. Là c'est... Oh putain. Là je suis juste mort moi. On m'a tout mis. Je n'ai plus qu'à observer notre défaite, malheureusement. Le film se finit mal, je me suis pris un E dessus. Et si je suis pas derrière à mettre mes dégâts, il n'y a plus rien. On a donc perdu, après tout ça. Waouh. J'espère vous avoir donné quelques émotions, tout de même. Aise, allez vous faire foutre. Et quand une game dure 50 minutes, ça peut pas être aise. C'est le principe. Ouais, j'ai skip les honneurs par frustration carrément. J'ai fait des bons dégâts. J'ai fait de la bonne tankiness. Mais bon, qui va regarder? Qui a regardé cette game jusqu'au bout, sincèrement, franchement? À part ceux qui sont là sur le stream, là. D'ailleurs, je vous félicite. Mon dieu. Mon dieu que c'était long. Bon. C'était une game de complément, mais le complément était phénoménalement long. Faut retenir la première. On avait quelques soucis. Aurélien Sol tank. En vrai... ...50% des kills ennemis, c'est ta botlane. Ah ouais. J'ai pas vu son... Ah oui. Oh. Waouh. Ouais. Ouais. Terrifiant. À chier. Oubliable. Moi, j'étais en mode... cool.
Mais c'est vrai que quitte à faire un espèce de mage range tank qui slow et tout, autant faire Anivia, c'est beaucoup plus intéressant que Aurelion Sol. Mais moi je pense que c'est cool. Je suis pas bon sur Aurelion Sol. Et c'était quand même. Ouais non quoique c'est oubliable. Aurelion Sol tank, je crois que c'est oubliable. Même si là vous avez eu le temps de l'apprécier. Hein. Si vous avez regardé jusqu'ici, une heure et quelques de trucs. Vous avez eu le temps de ne jamais l'oublier.